Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on va essayer d'avancer dans l'acte 3. Allez, c'est parti. Le centre de recherche. On avait terminé le dernier coup. On était une sorte de fête. Et ça met toujours du temps à charger. Ils pensent que vous êtes enfermés. Tout le monde se concentre sur la fête. Jusqu'ici, votre plan de dingue fonctionne. Et le docteur Amaral? Je l'ai pas encore vu. Elle est soit à la fête, soit dans son bureau au centre de recherche et développement qui se trouve ici, sur l'île. Je vais voir à la fête. Donc, vous allez siroter du champagne pendant que je m'introduis dans un complexe sous haute surveillance. Vous avez tout prévu, on dirait. Je vous garderai une saucisse cocktail. Ah, dans ce cas, c'est bon. Suivre Bess, de toute façon. Ils finiront par me démasquer, mais ça devrait pas arriver tout de suite, alors vous pouvez sortir par devant avec moi. C'est le chemin le plus court vers le centre de recherche et développement. J'ai désactivé la sécurité de la porte de secours, mais il y aura des gardes. Contactez-moi quand vous y serez. Jack, vous savez ce qui est en jeu. Il n'est pas question de vengeance ici. Je suis pas là pour Paul. Bonne chance. C'est parti. Alors là, on va déjà essayer de voir un petit peu. Il y a plein d'objets à récupérer. Un écho quant. Des renseignements, de renseignements, des sources de chronos. Alors, 1, 2, 3, 4, 8, des documents, donc 7, des ordinateurs, 8, et 2 médias. Waouh, va falloir être vigilant sur tout ce qu'il y a à faire. Les échos quantiques, ça va, je suis à la moitié sur 8, les renseignements, 2 sur 9.
41% de progression dans le jeu. Bon. Jusqu'ici, ça paraît normal. LB, non. Merde. Ça va laisser des marques, ça. Mes pouvoirs grandissaient, et j'apprenais à les maîtriser petit à petit. C'était une sensation incroyable. Putain, mais qui a conçu ces portes? Bon, je vais devoir être plus rapide pour les franchir. Bon, j'ai le cœur dessus, là. Ah, faut que je maintienne. Wow. Hey, Bess, j'y suis. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Dites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Ça fait très science-fiction, très monarque. Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. En fait, faut pas que je m'arrête. Waouh. Hey, Bess, j'y suis. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Dites-moi.
vous serez à l'intérieur. Ça marche. Ça fait très science-fiction, très monarque. Ça me rapporterait, ça ? Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. Ah zut! Alors, comment ça se fait que... Bon alors, faut que j'aille lire ça... Ça fait très science-fiction, très monarque. Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. Alors... Hé, hey, Bess, j'y suis. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous, dites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Attendre que ça se calme. Hey. Bah, je comprends pas là. Il y a un truc que je pige pas. Eh, hey, Bess, j'y suis. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant. Dites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Ben alors, normalement, c'est maintenir. LB, je maintiens. Je comprends. Science-fiction, très monarque. Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. Hé, hey, Bess, j'y suis. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Dites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Alors je sais pas où est-ce qu'il m'a emmené. Un truc. Ça fait très science-fiction, très monarque. Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. Hé, hey, Bess, j'y suis. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Dites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Mais putain! J'ai repéré un truc. Ça fait très science-fiction, très monarque. Mais quelque chose me dit que c'est pas à eux qu'on doit ça. Hé, hey, Bess, j'y suis. Et maintenant? Vous aurez bientôt une tour radar devant vous. Dites-moi quand vous serez à l'intérieur. Ça marche. Ouais, ok. Thank you.
prévenir pour ça, Bess. Bon, comment j'accède à cette tour radar? Wow. Je me doute bien qu'il doit y avoir du chrono. Déjà, on va vérifier que j'y suis bon. Donc, j'ai récupéré une source de chrono. Il faut que je passe de l'autre côté. Il doit y avoir un moyen de passer. Et hop, comme neuf. C'est fait. L'opération des cales sèches est terminée. Il va falloir des semaines pour nettoyer ça. Ils étaient censés faire le ménage discrètement. Et maintenant, on se retrouve avec une pelletée de cadavres à faire disparaître. Bon, au moins, on a repris le contrôle de la situation. Allez, allez,
Le temps paraissait altéré ici. Le canon ne semblait pas être figé dans le temps. Monarch avait démonté le vieux canon. La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. Merde. Oui, je sais. C'est un risque à prendre. Les soldats spécialisés de Monarch ont un équipement anti-interruption. Je parie que le docteur Amaral en aura un dans son bureau. Je regarderai, pour voir si je peux vous en dégoter un. Oh merde! Sirène a rendu visite à Joy sans détention. Ouais, apparemment. Merde, je suis sûr qu'il fallait visiter un truc en bas. Je veux retourner en arrière. C'est pas grave. Bienvenue chez Monarch. Je le referai pour récupérer ce que j'ai loupé. Ah les enfoirés. C'est un désastre. Il va leur falloir des semaines pour nettoyer ça. Ils étaient censés faire le ménage discrètement. Et maintenant on se retrouve avec une pelletée de cadavres à faire disparaître. Bon, au moins on a repris le contrôle de la situation. Oh, c'est trop gentil.
Ennemi en vue! Le temps paraissait altéré ici. Le canon ne semblait pas être figé dans le temps. Ah! Ouais, heureusement que j'ai pu... Finalement, j'ai bien fait de mourir. La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. J'ai réfléchi. D'après les calculs de... Et merde! Si l'une d'entre elles... Marche droit, merde! Vous serez figé, oui je sais. C'est un risque à prendre. Bon. Les soldats spécialisés de Monarch ont un équipement anti-interruption. Je parie que le docteur Amaral en aura un dans son bureau. J'en garderai, pour voir si je peux vous en dégoter un. Oh non! Très bien. Voilà. Est-ce que je peux activer quelque chose ? Hey, go. Il paraît que Sirène a rendu visite à Joyce en détention. Ouais, apparemment, sans qu'elle intéresse. Quelqu'un m'a dit que c'est parce qu'ils avaient tous les deux des pouvoirs. Mais il paraît que c'est aussi une affaire personnelle. C'est quoi son rôle, Sirène, juste? Je veux dire, croyez que c'était H. Oui et non.
Hatch représente la société. Mais c'est Seren, le vrai patron. Il aime rester dans l'ombre. Ouais, c'est bizarre. Bienvenue chez Monarch, vieux. C'est l'endroit rêvé où bosser si les trucs bizarres ne te dérangent pas trop. Bon. Que je peux pas faire une élimination dans le dos. Voilà. Putain, l'enfoiré. Qu'est-ce que j'ai loupé? Tiens. Ils étaient censés faire le ménage discrètement, et maintenant on se retrouve avec une pelletée de cadavres à faire disparaître. Bon, au moins on a repris le contrôle de la situation. Volonté.
Le temps paraissait altéré ici. Le canon ne semblait pas être figé dans le temps. Un autre truc que j'ai pas fait. C'est fermé. La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Rapide la prochaine fois. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. J'ai réfléchi. D'après les calculs de Monarch, les interruptions se rapprochent. Si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral... Vous serez figé, oui je sais. C'est un risque à prendre. Les soldats spécialisés de Monarch ont un équipement anti-interruption. Je parie que le docteur Amaral en aura un dans son bureau. Je regarderai, pour voir si je peux vous en dégoter un. Que j'aurais pas trouvé.
Aïe. Ça fait mal. Bien ça, il y a un truc derrière. Ah. Je me doutais bien que c'était une source de chronon que je devais faire. Donc ça y est, maintenant c'est bon. C'est bien. On va essayer de faire finir la partie 1 de l'acte 3. Paraît que Seren a rendu visite à Joyce en détention. Ouais, apparemment, son cas l'intéresse. Quelqu'un m'a dit que c'est parce qu'ils avaient tous les deux des pouvoirs, faut bien dire ce qu'il y a. Mais il paraît que c'est aussi une affaire personnelle. C'est quoi?
quoi son rôle à Seren, au juste? Je veux dire, je croyais que c'était Hatch, le Big Boss. Oui et non. Hatch représente la société. Mais c'est Seren, le vrai patron. Il aime rester dans l'ombre. Ouais, c'est bizarre. Bienvenue chez Monarque. C'est l'endroit rêvé où bosser si les trucs bizarres te dérangent pas trop. Ah putain. Bon. C'était pas grave. Le siège est un désastre. Va leur falloir des semaines pour nettoyer ça. Ils étaient censés faire le ménage discrètement. Ennemi en vue. Le temps paraissait altéré ici. La chronologie du vieux canon était désassemblée. Je pouvais la manipuler. Merci d'avoir pointé le canon par là, les gars. J'ai réfléchi. D'après les calculs de Monarque, les interruptions se rapprochent. Si l'une d'entre elles a lieu pendant qu'on enlève le docteur Amaral... Vous serez figé. Oui, je sais. C'est un risque à prendre. Les soldats spécialisés de Monarque ont un équipement anti-interruption. Il paraît que Seren a que le docteur Amaral en aura un dans son bureau. Ouais, apparemment, son canon... Je regarderai. Pour voir si je peux vous en décoder un. C'est parce qu'ils avaient tous les deux des pouvoirs, faut dire ce qu'il est. Mais il paraît que c'est aussi une affaire personnelle. C'est quoi son rôle à Seren, au juste? Je veux dire, je croyais que c'était Hatch, le Big Boss. Oui et non. Hatch représente la société. Mais c'est Seren, le vrai patron. Merde! Les snipers! Attends. Passez derrière lui. Oh oh oh. C'est beau. Ouais. Attends. Yeah.
Il est où le con? Réplique. Jack, j'ai désactivé la sécurité et déverrouillé les grilles de la tour radar. Prévenez-moi quand vous y serez. Ok, attends. Je dois me rendre à la tour radar. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est un fusil à pompe. Super, encore une. Elle est où? Bon. Prochain arrêt, la tour radar. Wow, 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 wow. C'est pas vrai. J'y crois pas. Bon. Je dois me rendre à la tour radar. Super, encore une. Et voilà. Bon. Prochain arrêt, la tour radar. Ouh. Pourquoi je peux pas? Ah, trop cool. Bon, c'est surtout avant de poursuivre. Est-ce que j'aurais loupé un truc? Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Par exemple, des sources de chronon.
déjà, on va aller voir là. Visiblement, c'est très loin. Bess, je suis dans la tour radar. Où est le labo ? Sous vos pieds. C'est une zone top secrète. Prenez l'ascenseur pour descendre. Wow, sérieux ? C'est un repère de super méchants ou quoi ? Vous croyez pas si bien dire. Essayez de pas tomber dans la fosse à requins. Oh, une fosse à requins ? Merde ! Elle est là. Bon. Ah. M'en doutais qu'il devait y avoir un truc par ici. Ça, c'est fait. Il y a un escalier tout seul là. Ah, il y a du chrono. Tiens, tiens, qu'est-ce qu'on a là? C'est tout. Ardot. Observe bien. Donnons à Monarque le public qu'il mérite. Le régulateur de champ de chrono, ou RCC. Vous savez que ce dispositif est au centre de nos recherches sur les chronons depuis 2010. Mais vous n'êtes qu'une poignée à savoir qu'il constitue la clé du plan de Monarque pour affronter les dangers qui nous attendent. Cette machine... Baissez-vous ! Ce délire. Là, je ne... Il y a rien de spécial en plus. Bon, bah je suppose qu'il faut que j'appuie. Hé, hey, Bess, je descends dans les labos.
Ok. Un petit vent de panique souffle sur la fête. Le bras droit de Sérène est sur scène. Ça aurait dû être Sérène lui-même. Ouais, j'imagine que Paul était trop obnubilé par notre petit tête-à-tête pour s'occuper de ça. Bordel. Du docteur Amaral. C'est à l'étage du dessus, on dirait. Alors... Nordi... C'est d'en profiter vu que le temps y est. C'est à l'étage du dessus, on dirait. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Ah, attends, hey, j'ai pas lu ce qu'il y avait décrit. Ah, il y a quelque chose qui cloche. Visez l'arrêt temporel, RB. Ou le bouclier temporel, B, pour éviter les objets instables. Mais, hé, hey, j'appuie sur B. Je ne sais pas où aller. Gauche, droite. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah.
gym vidé. Oh bon ça. Les absorbeurs de chrono neutralisent vos pouvoirs, désactivez-les et sortez de leur réunion. Et là. Se rapproche. Source de chrono là. Servir ces trucs. Cet engin a inspiré mes pouvoirs. C'est ce que nous appelons un absorbeur de chronon. Voyons. Il y a une image centre de gérer. Et là, l'email. Alors, j'étais venu par là. Eh oui. C'est la source de chrono. C'était une sorte de drone de surveillance. Le fait de savoir que Monarque nous observait depuis le ciel me mettait un peu mal à l'aise. Non. De toute façon, je ne continuerai pas tant que j'aurai pas trouvé une solution. On va aller chercher cette source de chronon. Et si... Alors... Thank you.
Déjà, je vais voir. T'en fais du bruit. À tous mes spectateurs, sachez que je suis avec maintenant mes filles. Ok, je dois aller dans le bureau du docteur Amaral. Quand Paul est venu me voir dans cette cellule, il m'a dit que le temps était une boucle, qu'on ne pouvait pas arrêter la fracture. Quand j'ai vu cet endroit, je me suis demandé à quoi tout ça pouvait bien rimer, puisque le temps touchait à sa fin. C'est bien, cool. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Il me manque un truc entre les deux. Ah, pistolet rafale, ouais. Ça c'est cool. Ah. Le graphique montrait que les plus grandes avancées technologiques de Monarch avaient commencé en 2010. C'est au même moment ça. Qu'un autre événement d'app. C'est peut-être ça qui me manquait. Ouais, calendrier tech. Importance. La zone zéro. En fait, la chronologie du truc, c'est 9 octobre. Oh, j'ai... Le bureau du docteur Amaral. C'est à l'étage du dessus, on dirait. Et alors, ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a pas un truc par ici. Oh, il y a plein d'ordinateurs, des écrans. Une petite source de chronon dans le coin. Attends que je continue. Bon.
finisse mon truc là parce que... ce truc. Oh putain, c'est quoi ce truc? Oui, c'est quoi ce truc? Ça va être un peu compliqué. Mais je pense qu'en éliminant d'abord les deux autres, je peux être tranquille pour le reste. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Est-ce que ces trucs, ces armes... Ah ouais... Les armes, elles doivent éliminer les pouvoirs à tous les coups.
un choix ce truc. Wow. Alors là, ça va être assez sacré hard. Alors, on va juste mettre un petit bouclier. LB. Merde! Il doit bien y avoir un moyen de l'endommager. Ok, faut que je trouve son point faible. L'avant.
Pour lui infliger des dégâts. Là, je me planque. Ouais, donc c'est bien ce que je dis. Ces tirs absorbent les trucs. Donc là, si je veux... Allez, go! Yeah, je l'ai eu. Ouhouhou. Le bureau d'Amaral, c'est par où? Bon bah du coup je me recharge quand même. Ah j'admire. Comment je l'ai eu cet enfoiré? Est-ce qu'il y a des trucs à détecter ici? Non. Portée augmentée. Temps de charge diminué. Ça m'intéresse. Thank you.
Aïe! Serais-je mort? Eh, je me retape pas le colosse, hein. Oh non. Oh là, c'est affreux. Scellé. Mais alors, scellé. Je l'ai battu le colosse, putain. Merde! Merde! Il doit bien y avoir un moyen de l'endommager. Go. Ok, faut que je trouve son point faible. Attends que je me recharge. Aïe. Go. Oh putain, mais... C'est pas possible. Pff, quel nanar. Mais alors, quel nanar. Pourquoi je suis tombé? J'essaye de le passer.
Oh zut. Bon, bah, de toute façon, je dois y aller. Il faut que j'aille travailler. Donc, là, je vais arrêter et je reprendrai plus tard. Bon, journée à tous.